Présentez-vous. C'est Madame Bamba. Madame Bamba. Oui. Vous venez de perdre Roger Bamba. Et avant tout, dites-nous vos derniers moments avec Roger Bamba. Le dernier moment avec Roger, il est sorti ici le matin, il m'a dit qu'il partait au travail. Lorsqu'il est parti à l'assemblée, il m'a appelé, il dit, je suis venu au boulot. Mais j'ai reçu des militaires qui m'ont pris sans convocation. Ils m'ont envoyé au PJ à côté de Yanzi. Je dis, mais pourquoi? Il dit qu'ils ne m'ont pas encore dit le boutique pourquoi je suis là. Maintenant, je me suis déplacée, partie là-bas. Mais il n'y avait pas l'accès. Ils ne me donnaient pas le temps de le voir. Après deux à trois jours, j'étais assise là. C'est sur les grandes gueules que j'ai appris qu'on les transférait à la maison centrale avec le monsieur qui a quitté en Europe et il était invité ce jour sur l'espace. Les trois plus son petit, on les a transférés. Et je n'avais pas le temps. Chaque fois que je partais, on me disait je ne veux pas l'accès de voir mon mari. Et pourtant, je ne travaille pas. Je finis l'université. Je suis quittée à Zurich pour venir ici. Je ne connais personne. C'est lui qui représente tout pour moi ici. Je suis là. Je vis. Lorsque les parents envoient quelque chose de village, si c'est pas ça, je ne connais personne. C'est entre-temps, comme j'insistais à chaque fois, je partais là-bas. Je pleurais, j'appelais. Ils m'ont dit, sauf que je pars à la justice, qu'il y a un papier là-bas que je prends pour que je puisse voir mon mari. Et ça fait au moins, ça trouvait que ça fait au moins 4 mois de cela. Je n'avais pas de ses nouvelles. Je ne peux pas le voir. On ne peut pas communiquer. Je ne sais pas, il vit ou pas. Comment on le maltraite? Qu'est-ce qu'il mange? Je ne connais pas. Maintenant, je suis partie à la justice à 7 heures. 7 heures, on m'a trouvé à la justice de Dixie. Tribunal de Dixie. Tribunal de Dixie. J'ai passé toute une journée là-bas. Lorsque j'ai eu l'accès de voir le procureur, il a dit qu'il ne peut pas me délivrer des papiers qui n'est pas autorisé. Je me suis couché en bas de lui, j'ai pleuré. Vous ne me croyez. Vous voyez l'amour qu'il y a entre la femme et son mari. Vous voyez le bébé que je détiens, ça fait plus de 5 mois, il ne voit pas son mari. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que je traverse alors là. Vous-même, vous voyez la conjoncture de la Guinée alors là, tout est dur. Et pourtant, c'est mon mari qui s'occupait de moi, de tout. Maintenant, les anges, j'ai plaidé. Il m'a fait un papier. Sur le papier, c'était mardi et jeudi que je devais voir mon mari. Et il m'a donné le papier jusqu'à 15h. J'ai passé toute une journée. C'est à 15h que je suis rentrée en possession du papier. Maintenant, le lendemain, je suis partie à la maison centrale. Quand je suis partie, j'ai vu mon mari. Quand je l'ai vu, je l'ai regardé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu n'es pas ici? On te dit quoi? Ce que vous m'ont fait comprendre, que j'ai échangé de messages avec un jeune, que c'est le jeune qui a porté plainte contre moi. Mais depuis que je suis venu, il n'a jamais vu le jeune. Mais ce qu'on lui a fait comprendre, qu'il a échangé des textos sur Messenger avec un jeune, raison pour laquelle il a été arrêté. Ce jour, je me suis vu avec Ousmane Gawal, les shérifs Ba, Fonike Mengue, j'étais là dans la cour en train de se coiffer. Je ne pouvais pas rester ni même là, je me suis retournée. C'est un jour que je pars. Maintenant, c'est hier. Vers les 17h, un numéro inconnu qui m'a appelé parce que j'ai que temps pour le voir que les mardis et les jeudis. Si ce n'est pas ça, ils n'acceptent pas. Même tu envoies le manger, ils te disent non, que tu ne peux pas le donner. Mais c'est eux qui doivent le numéro. Maintenant, hier vers les 17h, j'ai reçu un appel inconnu. Il me dit c'est Madame Bamba. Je dis oui. Il dit votre mari est malade, on lui envoie à Niasse. J'ai pris la moto, je suis partie. Lorsque je partais même, la moto m'a... Tellement que j'avais le corps chaud, mais je suis même tombée avec le motard. Quand je suis partie à Niazbi, il était gardé de sorte que les militaires ne me donnaient même pas le temps de voir mon propre mari. Quand je suis venue, je l'ai regardé. Je lui ai dit, Rosé, c'est depuis quand
tu es tombé malade. Son ventre est ballonné. Quand tu vas son ventre, tu ne peux même pas savoir que c'est un être humain. Il dit, mais mardi, je t'ai vu, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dis-moi. Il dit, non, c'est hier son majesté. Je sentais les maux de cœur et les maux de reins. C'est mes reins qui me font mal. Et mon dos, mon ventre me fait très mal. Et là, ils m'ont dit, va au laboratoire, tu vas aller prendre les papiers. Je suis allée, j'ai pris. Le docteur venait, il m'a dit qu'il n'a pas de sang. Qu'il n'a pas de sang, je n'ai pas de moyens. Je suis diplômée sans emploi. Mes parents sont à Zéro, il n'y a personne. J'ai appelé la femme de Dalin, je lui ai dit, mon mari est malade, il a abandonné ici. Et le corps a bien ne veut même pas que je le touche. Mais on me dit qu'il n'y a pas de sang. Il me dit, ah ouais, je vais envoyer un jeune. Tu vas partir avec lui, il a acheté du sang. Nous sommes partis, on a acheté. Quand je suis venu, Agnès dit, quand tu vois son corps, on dirait quelqu'un qui utilisait le produit. Quoi. Tout ton corps était devenu maintenant jaune. C'est plus noir, c'est jaune son ventre là, ballonné. Il me dit, pourquoi tu n'as pas envoyé l'enfant? Je dis, mais l'état que tu m'as appelé, je ne pouvais pas mettre l'enfant sur mon dos en envoyer ici. Je dis, mais Rosé, dis-moi, tu as mangé quoi? Je dis, ah, tu n'as rien mangé, c'est mon ventre et mon dos là, je sens la douleur, tout mon dos me fait très mal. Venant jusqu'à la nuit, j'ai appelé l'infirmier. L'infirmier me dit, ah, le sang que vous avez envoyé se coagule, il faut qu'on mette après une heure. Si ça serait un peu chaud, je vais placer. Il dit, mais il se plaint trop de la douleur. Quelques minutes après, il m'a regardé. Il dit, va, tu m'achètes de la glace. C'est même pour mon dos, ni mon ventre. Mais c'est mon corps là qui est chaud maintenant. Envoie la glace, tu mets sur mon corps. Et il faut masser ma tête. Ma tête aussi, c'est chaud. J'ai dit, mais Rosé, dis-moi. Ce qui était dans ton ventre, comment dans une heure de temps, c'est monté encore sur ton corps. Le militaire qui était là-bas, il me dit, madame, et nous on a fait, donne-nous de l'argent, on va manger. Je dis, là, vous me voyez, je suis seule ici, il n'y a personne. Comme ils ont insisté, je les ai donné 20 000. Les militaires. Les militaires, je les ai donné 20 000. Maintenant, quand je veux rentrer, le docteur me dit, non, sors. Il faut que je le visite, sors là-bas, sors. Je suis resté dehors, maintenant, il a crié. Il dit, viens, je te dis de venir. Je suis rentré. Il dit, il y a quoi? C'est mon corps, là, je ne peux plus. Mon corps est chaud. Son ventre est ballonné. On dirait quelqu'un qui a fait au moins une semaine dans une maladie. À 0 heures, il a rendu l'âme. Mais je m'arrête même dans la main de Dieu. Si seulement si Dieu est là pour les hommes, pour les pauvres. Je veux que Dieu fasse la justice pour moi, parce que je sais. Il y a eu beaucoup de morts en Guinée sans justice. Je sais que mon mari n'aura pas de justice sur cette terre. Mais demain à l'au-delà, mon mari aura la justice. Et je veux dire que c'est lui qui était le seul espoir de la famille, c'est lui qui s'occupait de nous. Il a 3 enfants derrière lui. C'est lui seul qui avait la chance de ça. Je n'ai personne. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas à qui dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je vais devenir après son mort. Je suis sans mort. Je suis navrée de la mort de mon mari. Je me remets dans la main de Dieu. Qu'il fasse la justice. Si c'est la maladie qui a tué mon mari, il me montre s'il a été empoisonné en prison. Que Dieu fasse la justice devant les hommes et devant Dieu. Mais qu'il a créé un vide dans ma vie. Je suis désespérée, je suis sans, je suis malgré. Mes condoléances. Si, que son âme se repose après. Que la cité soit légère. Je demande à l'autorité de s'occuper de mes enfants. Je sais que ce ne sera pas facile. En Afrique, quand tu perds ton premier mari, ce n'est pas facile. Mais s'il y a Dieu, Dieu fera ma commande.
je me confie à Dieu et je confie tous mes enfants à Dieu. Mais je veux que les autorités sachent que c'est lui qui était tout pour nous. De Conakry jusqu'au village, c'est lui seul qui pouvait aider sa famille. Si ce n'est pas lui, ses frères, c'est des cultivateurs. Il ne faut pas s'occuper de nous et de nos enfants. Que Dieu fasse la justice pour moi.